C'est encore une nouvelle très belle édition de Playing for Philharmonie qu'on appelle entre nous PFP. C'est un projet qui est une rencontre avec un incroyable chef d'orchestre et un incroyable musicien, François-Xavier Roth des Siècles, c'était il y a 10 ans. Et cette rencontre, elle est autour d'une idée assez simple, c'est l'idée de faire rencontrer le monde des amateurs et le monde des professionnels dans le milieu de l'entreprise pour effectivement arriver à les faire jouer au bout de plusieurs mois de travail et de les faire jouer sur cette incroyable scène qui est la scène de la Philharmonie de Paris. Alors ce soir, c'est 350 musiciens que vous allez avoir devant vous, 250 musiciens de Société Générale, dont 60 qui nous ont fait l'amitié de venir de Côte d'Ivoire, du Luxembourg et de la Suisse pour compléter ce programme, et 100 musiciens professionnels des Siècles et des Métaboles. Et puis surtout, il y a des musiciens absolument fantastiques qui nous encadrent pendant ces 14 mois, qui nous coachent et qui nous permettent effectivement d'atteindre le plus haut niveau qu'on puisse et surtout le niveau qu'attend François-Xavier Roth. Bonjour à toutes et tous. Nous partageons, je pense, la même émotion, hein, puisque c'est effectivement la sixième édition de Playing pour Philharmonie, for Philharmonie. C'est vrai que c'est un projet hors norme. J'espère que vous allez le sentir. C'est, comme tu l'as rappelé, c'est une parfaite illustration de ce que peut être, au fond, l'entreprise, où là aussi, l'engagement et le travail individuel se met au service de la collectivité. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce que vous allez voir ce soir. C'est énormément d'engagement, de travail. C'est aussi la volonté de... C'était déjà la volonté à l'époque, mais c'est encore plus la volonté aussi de montrer que la musique, la culture traverse les frontières. Et puis ce soir, on a en plus une petite surprise pour vous. La présence d'un très grand musicien français, c'est Gauthier Capuçon. Et vraiment, du fond du cœur, je voudrais le remercier parce que sa présence est quand même un cadeau exceptionnel ce soir. Un grand merci à vous tous. Très belle soirée.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris pour ce concert qui est un concert vraiment unique, un concert singulier qui honore et qui célèbre la musique dans toutes ses dimensions, la musique, faire de la musique, avec un programme qui célèbre aussi une grande diversité de différentes musiques. Nous avons ouvert avec Charpentier deux extraits de son fameux Tédéum. Alors vous savez peut-être, le Tédéum, c'est une musique très ancienne, une forme musicale très ancienne que souvent les compositeurs écrivaient pour célébrer quelque chose, célébrer une victoire, célébrer un événement quelquefois politique majeur. Alors nous allons continuer avec une autre œuvre religieuse et une œuvre qui a une histoire totalement singulière. C'est l'ultime œuvre de Mozart qu'il écrivait vraiment alors qu'il était mourant. Et ce Requiem, et bien figurez-vous qu'il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps d'écrire jusqu'à la dernière note. Nous avons le grand plaisir de vous jouer quatre extraits de ce fameux Requiem de Mozart.
Chaque année, nous essayons de pousser les limites, les frontières du jeu, puisque nous avons une telle chance d'avoir comme verbe musicien jouer. Alors nous jouons, mais nous jouons de plus en plus loin. Et cette année, nous avons décidé une pièce d'une virtuosité extraordinaire, qui effraie tous les orchestres du monde, sauf le nôtre. Une pièce d'un compositeur américain qui aurait cette année 122 ans. Il est né en 1900, il s'appelait Aaron Copland et c'est un peu le père de la musique américaine. Et il a utilisé des chansons, des mélodies populaires pour en faire des œuvres de musique dites savantes, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui rend hommage au Mexique. Thank you.
Alors, après le Mexique, les États-Unis d'Amérique, eh bien, nous allons continuer de voyager. Nous allons jouer un morceau de musique ivoirien. Et nous avons une chanson que nous avons fait orchestrer, enfin je dirais, nous avons fait arranger pour une section rythmique, les contrebasses en l'occurrence, avec le piano, les percussions, et un compositeur qui est parmi nous ce soir, je vous demande d'applaudir, John Yale. Alors John a écrit cette chanson qui est très populaire en Côte d'Ivoire et nous avons la chance d'avoir parmi nous un des plus grands solistes du balafon, Babanga. Alors je vais tout de suite appeler pour venir avec moi diriger cette œuvre, le chef de chœur, mon ami Pierre. Magnifique. Cher Pierre, avec ton costume de lumière, vous avez des costumes absolument magnifiques. Tous nos amis ivoiriens, c'est magnifique. Alors, dis-nous quelques mots sur cette chanson que nous allons interpréter à présent. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors, cette chanson est une chanson ivoirienne, comme on l'a dit, qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, en langue bété. Cette chanson me dit, comme ça, c'est un conseil d'une mère à son enfant. Et cette chanson dit, mon enfant, écoute les conseils de ton père et de ta mère afin de réussir dans la vie. Voilà. Merci Pierre. Alors, il faut dire également que ce soir est présent dans le public celui qui a arranger cette œuvre, Robin Melchior, et je le remercie. Merci Robin Melchior qui est dans la salle. Merci à lui. Thank you.
Alors nous allons rester dans la voix, mais quitter la Côte d'Ivoire pour écouter à présent un des plus grands compositeurs russes du début du XXe siècle, Serge Rachmaninov. Alors il faut dire que cette année, c'est la première fois que nous allons entendre notre chœur seul, notre chœur a cappella. Et donc, pour diriger cette musique de Serge Rachmaninov, eh bien, nous avons un des chefs de chœur qui va à présent rentrer sur scène, Rémi, qui va diriger à présent le chœur a cappella. Quelle émouvante musique. Et ce choral, extrait de Vêpres de Rachmaninov, eh bien, c'est une musique aussi qui, dans ces temps si douloureux, nous relie aussi les hommes et les femmes entre nous. Alors, à l'instant, nous allons jouer un autre compositeur qui, lui, était un compositeur allemand et qui a vécu à Hambourg, dans ce port si extraordinaire où c'était une sorte de carrefour dans l'Europe. Et Johannes Brahms a écrit un requiem absolument extraordinaire, un requiem qu'il a appelé
ein deutsches Requiem, un requiem allemand. C'est un requiem qui honore la nature, l'homme, le vivant. Écoutez donc ce deuxième mouvement du requiem allemand de Johannes Brahms. Thank you.
Alors à présent, toute autre chose, puisque nous passons de la musique religieuse, pastorale, poétique allemande, romantique, à une œuvre qui a été composée pratiquement au même moment. C'est difficile à croire, tant le langage musical est différent. Cette fois-ci, le grand compositeur Tchaïkovski a décidé de s'emparer de cette fameuse pièce de théâtre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Me direz-vous, Roméo et Juliette a inspiré tant de compositeurs. Bien sûr, Hector Berlioz, Charles Gounod, le ballet aussi de Serge Prokofiev, et puis, plus récemment, le West Side Story de Leonard Bernstein n'est-il pas un Roméo et Juliette de notre XXe siècle? Cette œuvre, eh bien, elle est idéale pour cette œuvre théâtrale pour composer de la musique. Alors, Playing for Philharmony, c'est aussi des surprises, puisque ce soir, vous ne l'avez certainement pas remarqué tant il est discret, mais un grand musicien s'est mêlé dans l'orchestre. Un grand musicien qui joue du violoncelle, c'est Gauthier Capuçon. Alors, normalement, sur une scène comme celle-ci, ta place, Gauthier, elle est ici en soliste. Et ce soir, eh bien, Gauthier joue parmi les musiciens pour soutenir la section de violoncelle qui aussi sans Gauthier sonne formidablement, il faut dire, mais avec Gauthier, il y a une sorte de surplus, bien sûr. Merci à toi, Gauthier, de ta présence. Merci. Alors, avec Tchaïkovski, on commence non pas par tout l'orchestre, mais les bois, les clarinettes, les bassons, qui vont jouer tout d'abord cette sorte de musique religieuse, cette prière du frère Laurent. Écoutez comment s'ouvre Roméo et Juliette de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Alors, après ce Tchaïkovski, Roméo et Juliette, le dernier morceau de la soirée, une œuvre de Verdi, une œuvre chorale, puisque nous allons tous terminer ensemble, et même plus, puisque nous avons aussi des invités surprises de part et d'autre, les trompettes pour jouer de cette marche d'Aïda fameuse de Giuseppe Verdi. Mais avant de terminer ce concert, je voudrais donc dire quelques mots et une sorte de rituel que nous avons à chaque fois que nous faisons Playing for Philharmony, de vous montrer réellement, parce que vous vous dites, oui, il y a quelques musiciens amateurs, qui sont les musiciens amateurs, notamment de l'orchestre de Playing for Philharmony. Les musiciens amateurs, on se lève, on se lève. Et pareil pour le chœur, tous les choristes amateurs, nous nous levons à présent. Alors, j'évoquais tout à l'heure le chœur et donc nos deux chefs de chœur, Léo, Rémi et Julien, qui les aident aussi si activement et brillamment. Je vous demande tous les trois de vous lever. Bravo! Et l'orchestre qui travaille toutes les semaines avec les collaborateurs, les musiciens des siècles, Yann, violon solo, tous les musiciens des siècles, nous nous levons, s'il vous plaît. Sous la direction, semaine après semaine, de deux brillants chefs d'orchestre, Joël Soichet et Simon Proust. Pour conclure, Verdi, nous sommes au Caire en Égypte et vous allez entendre d'emblée des trompettes égyptiennes qui surgissent de la grande salle Pierre Boulez. Thank you.